Eh bien salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi personnellement ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdomadaire de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Donc écoutez, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit challenge du nouveau DLC. Alors faut savoir que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, en plus on en a qu'un seul challenge de disponible. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'espère que je vais plutôt bien réussir. Alors, je commence déjà avec un petit item et avec un mini-boss en mode Bomberman. Ce qui est plutôt pas trop mal, comme ça il va permettre de pouvoir casser les différents petits cailloux. Hop. Alors attention. Les bombes lui font également des dégâts, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Par contre à moi aussi ils me font des dégâts. Il va falloir que je fasse très attention. Et je gagne un petit slip. Le slip ou le livre, faut choisir. D'ailleurs, on va plutôt prendre ça. Les bombes c'est pas trop mon kiff. On continue, on avance. Alors je connais pas du tout le principe de ce challenge. En tout cas je sais qu'il faut le terminer. Il faut terminer le jeu avec ce mode là. Donc ce qui peut être assez complexe, je vous l'avoue. Sachant que comme ça fait un moment que j'ai pas joué, bah je pense que je vais plutôt galérer. Voilà. Et en plus je gagne de l'argent quand je prends des dégâts. Ah oh, what? Attendez, c'est moi ou je rêve là? Quand je prends l'argent, je régène. Oh, c'est trop bien. Ça par contre, les gars, calmez-vous. Oula. Putain, ils se poussent entre eux maintenant. C'est what the fuck. Ne vous inquiétez pas les copains. On arrive au premier boss. On a deux clés, ce qui est plutôt pas trop mal. Comme ça va nous permettre de... On peut pas récupérer ça. Oh non, pas lui quoi. Hop. Oh putain, non, mais c'est une blague. Je déteste ce perso. Honnêtement, je déteste ce personnage. Ce boss là. Je trouve tellement chiant. Hop. Merci d'avoir fait ça. Ça me permet de récupérer les pièces un peu plus loin de toi. Putain, mais en vrai, je serais mort depuis tellement longtemps là. Si j'avais pas ce truc. Hop. C'est easy pour moi en fait là. Bah, quoique je prends quand même pas mal de dégâts là depuis tout à l'heure. Je suis assez dégoûté. D'ailleurs j'ai masse vie. Ok, il est bientôt mort. Hop, nickel. On récupère tout ça. Est-ce que on peut avoir plus de cœur que ça ou pas? Je ne sais pas. On a un HP up en plus, ce qui est plutôt pas trop mal. Et ça on peut pas le récupérer. Eh ben écoutez les amis, on avance. On avance, on avance. On n'aura pas la Devil Room, en tout cas je pense dans cette game, parce que j'ai pris énormément de dégâts rien qu'avec ce premier boss. Et donc je pense que ça va être pire pour plus tard. Et lui par contre, bonjour copain. Ah, j'ai raté mon... Oh bah voilà, hop. Oula, calme-toi. Hop. Alors je sais pas si les cœurs s'alignent. Non, en fait j'ai trop de vie, du coup il veut pas récupérer le dernier cœur. Et j'ai pris un dégât. Génial. On ouvre ça, on récupère la petite clé. On a 29 clés, what the fuck. J'ai jamais eu autant de clés de ma vie. On peut pas aller en bas. Wow. D'accord. Mais what the fuck quoi. Mais c'est n'importe quoi ce défi. C'est n'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas ce qui leur est venu par la tête. Par contre, où est-ce que je dois aller? What, c'est quoi ça? Ok. Ah d'ailleurs. Ah, ça va vers les mobs. Ouais, ça va vers les mobs, mais ça a pas l'air très efficace. Ça a pas l'air très efficace ce truc. Hop, le dernier. Hop, une petite clé.
Dans tous les cas, ça sert à rien d'aller dans les shops vu que les pièces nous permettent simplement de récupérer de la vie et pas on peut pas les collectionner pour ensuite aller s'acheter des trucs dans les magasins. Non, on peut pas. Du coup, bah c'est pas grave, on va pas ouvrir de shop du coup durant cette game. Le défi est plutôt intéressant, je trouve. Pas pour le fait que je pense pouvoir réussir, vu que c'est un peu ultra cheaté le système des pièces. Quoique, c'est quand même un défi de Afterbirth Plus, hein. Je pense que ça va se compliquer par la suite. On verra bien. Hop. Regardez, j'ai un petit trou sur... What? C'est quoi la flèche? Ok. Ok, ok, d'accord. Agression. Ok, ça en a tué deux. Hop, on y va. Oh, c'est tout le temps le même boss en fait. Si j'ai bien compris. Parce que ce boss là il est hyper relou. Oh putain. Je vais pas le toucher. Hop, je me soigne. Ok. Ok, il est mort, c'est bon. On récupère notre vie. Et on a la Devil Room également. Écoutez, on va prendre ça d'abord. Memories. Hop, on se soigne à fond. Et on récupère. Ok, c'est pas grave. Spectral Body. Oula, là par contre, ça risque de bien se compliquer par la suite, les amis. Ok, on va juste faire ça. Casser ces petits trucs le temps que je me régène. Voilà. Donc il nous reste plus qu'un seul cœur. Ce qui est un peu what the fuck. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ça va être ça en fait le truc phare de ce challenge, c'est qu'il va faire très attention, va falloir faire très attention à nos cœurs. Oh mais c'est comment? Ah, je fais du 4 maintenant. Je fais du 4 de dommage. Hop, j'ai cassé ça en même temps. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais, je fais du 4,43 de dommage. Ce qui est plutôt pas trop mal. Déjà, on fait plus que la base. À la base, c'est 3,50. Je suis plutôt mal, je trouve. Hop, on récupère la petite bombe. La corde. Poison Tears. Oh putain. Mais what the fuck. Déjà que je faisais trop mal, alors maintenant c'est même plus la peine. Est-ce que je peux tirer de là? Ouais. Tac. What? Hop. Tac, nickel, c'est bon, on l'a tué, on récupère la petite pièce. Quoique j'aurais peut-être dû la laisser là. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. À chaque fois on va combattre contre le même boss. Aïe. Et à chaque fois que j'ai un cœur qui s'enlève, j'ai à nouveau des pièces en fait. Je crois que j'avais pas compris. Oh là là, mais je suis ultra cheaté maintenant. Est-ce que j'ai la Devil Room? Non, je n'ai pas la Devil Room. Par contre, je suis ultra cheaté. En plus, j'ai du range up plus. Du coup, maintenant, je tire beaucoup plus vite. Putain, j'ai du 4,40. Plus mes balles qui... Mes petites larmes qui vont vers les mobs. Plus Poison Chills. Là je suis un peu ultra cheaté, je pense.
Je pense que je peux terminer cette game. Ah, eux aussi ils ont ça. Va falloir faire très attention. Ça sert à rien d'aller par là. On va aller par la droite. What, le champignon? Mais what? D'accord. Moms. D'accord. Oh, mais what, c'est quoi ces nouveaux mobs là, les champignons qui tirent des trucs là? Je connaissais pas ça moi. Oh! Oh non! L'item que j'ai pris, c'est Moms qui vient de temps en temps nous tirer, nous taper. Il va falloir faire très attention à surveiller le sol. Parce qu'elle peut venir ici aussi, donc faut faire gaffe. 99 bombes, ce qui n'est pas très intéressant en soi, mais ça peut. Ça peut nous. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Ah, j'ai pris un dégât, mince. Hop. Hop. Il doit en rester quelques-uns. Faire gaffe aux champignons maintenant. Oh, c'est quoi ça? Pay to win. Ouais, je vais garder ça parce que le truc de Moms là, c'est pas terrible. Alors, où est-ce qu'elle est? Non. Elle est là. Je comprends pas grand chose à la carte. Hein. On me dit d'aller en bas. Enfin, la porte est en bas et le truc il est en haut. Enfin, il est sur la droite. Je comprends pas trop. Oh merde. Il me donne rien. Hop. Non. Non. Je crois que quand je perds un cœur, je gagne plus de pièces. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Yes. C'est bon. J'ai eu la Devil Room. Je prends le speed up. Je me soigne. Alors par contre je me demande, est-ce que je vais prendre ça. I want your life. Je... Non. Je vais garder ce que j'ai. Le truc c'est que maintenant je peux plus prendre de... Je peux plus prendre de trucs maintenant. Là c'est fini. It's over. Allez, on avance. On tue ce... Ok, donc ceux-là ils explosent. Ça fait un moment que je suis pas arrivé dans ces petites salles. Ok, eux je sais plus ce qu'ils font, donc rester éloigné d'eux. Ah oui, c'est vrai. Quand il meurt, il lâche un... le truc qui permet... Merde. Qui permet de créer des araignées. Il va falloir faire très attention à ça. Ouh, on récupère ça. Ah merde. J'ai pas récupéré assez de pièces pour pouvoir me soigner d'ailleurs. Comment ils veulent que je tue le mec là-bas? Ah ok. Ok ok. C'est bon. Par contre la carte elle est bizarre quand même hein. Oh, what the fuck. Ah non il m'a eu. Oh, c'est quoi ça? Itchy tasty. Pay to win. On va garder Itchy tasty pour voir ce que ça donne. La carte par contre elle est pas du tout fiable. Mais genre pas du tout. What? Ah tiens, on va prendre ce qu'il y a là-dedans. J'ai récupéré le cœur, je sais pas comment j'ai fait. Hop, on va prendre ça. Ah oui, non, c'est vrai. L'autre, il reste là quand même. What the fuck? Oh, des petits mobs comme ça, c'est relou. Bon, là, ça a l'air d'aller. Il m'a donné une clé. Oula. Oh non. Voilà, GG. Ok, faire attention à lui. Oh, j'ai gagné deux pièces. Je suis trop fier de moi.
sais pas comment. Putain, mais c'est une blague. Pas une petite pièce dans le coin. Oh non! Hop, toi t'es mort. Bon, d'accord, la bombe qui s'en va vers l'autre cieux. C'est une blague. Tous les dégâts que je me prends là. Ok, re tout le monde, désolé de vous de vous avoir abandonné pendant ce boss interminable et qui me défonce en plus. Mais en même temps, je fais pas attention vu que je me dis que j'ai pas mal de pièces, pas mal de cœurs, je fais vraiment pas attention. Je fais vraiment pas attention à ma vie, du coup. Damage up. Ce qui est plutôt pas trop mal. Non, je suis descendu sans prendre le cœur. Même s'il sert à rien, théoriquement. Alors, on est à Dev2, les amis. Du coup, là, ça va être un peu plus complexe. Je pense. Déjà, on prend direct des dégâts. Mais what the fuck? Non, je suis parti sans prendre la dernière pièce. C'est pas grave. Hop, il reste un truc qui est mort, nickel. What? Ok, d'accord. Alors là, j'ai fait le con. Est-ce qu'on va combattre contre Mama ou pas, du coup? Je me pose la question. Oula. Putain, quel con. Puis en plus, j'ai des pièces qui sont allées là-bas, génial. Hop, on va aller là. Wow. Eh ben j'ai eu chaud. Hein. Oh ça va, ils sont simples. Hop, je peux pas récupérer ça. Je récupère ça. Il y a absolument rien par ici, génial. Du coup il nous reste plus qu'à droite à aller quoi. Oh non, là-haut on n'est pas allé. What the fuck. D'accord, je prends pas mal de dégâts. Hop. Et il y a absolument rien par ici, génial. Plus qu'à aller à droite maintenant. Hop. Je cherche la salle, s'il vous plaît. Où est-elle? Elle est là. C'est bon, on l'a trouvé. C'est quoi ce truc? Non, je vais garder ça. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Conjoin. Oh. Mais ça sert à quoi théoriquement? À part me faire toucher beaucoup plus qu'avant. Non mais génial quoi. Ça sert à rien ce truc. Bon, ok, c'est pas grave. On a un conjoint. On a un fœtus qui nous suit, ce qui est plutôt pas trop mal. Ah d'accord, il y en a deux. D'accord. Bon, maintenant il y en a deux. Génial. Oh putain. Putain, what the fuck quoi. Hop. Y'en a un qui a sauté. Oh my god. Ils font trop mal. Tiens, meurs, meurs, meurs. Ils font trop mal. Et y'a la room à droite là qui s'est ouverte. Mais y'a la devil room qui s'est... Oh putain. Alors ça, je suis pas très intelligent. Ah mais si, regardez, quand je me rapproche beaucoup de lui, il va l'attaquer je crois. Ouais, 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 c'est ça. Et en plus il fait trop mal. Il fait très très mal hein. Pour ça, putain, tu vas le récupérer bordel. Krampus Rage. Ok, ça a l'air pas mal ça. Écoutez, on va aller en enfer. On va aller en enfer les amis. On va pouvoir combattre bientôt contre... Contre Big Mama. Bon, bien entendu, ça va être encore une fois. Ah, je crois qu'il n'y a pas de salle bonus sur ce. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de salle bonus. Bon, c'est pas grave, du coup. Va falloir trouver. Oh, what the fuck? Alors, ça, c'est la preuve que ça fait très très longtemps que je suis pas arrivé jusqu'ici. Parce que je me rappelais pas qu'il y avait ça. Hop. Mais what? La blague. Oula, faire attention à ça. Ok, on passe. On va là-haut. On revient là.
même si c'est un endroit qu'on a déjà visité. Ok, il y a des mini trucs qui nous suivent. Très attention. Ok, on descend. Regardez ma tête. Ah non, ces trucs là, ils... Oh putain. J'ai perdu un cœur encore une fois. Je crois que les visages, on peut pas les tuer. En fait, chaque visage a son cœur. Du coup, faut tuer le cœur. C'est triste. Dit comme ça, c'est triste. Hop, on récupère tout ça. On descend. Absolument rien par ici. On peut continuer à descendre. Oula, mini boss. Qui a l'air plutôt easy. Voilà, mini boss ultra easy. On peut continuer vers la gauche. On fait du 5 de damage, ce qui est pas terrible au final. Mais vu qu'on a Poison Chills, ça fait quand même pas mal. Hop. Ah mais non, c'est l'autre qui les mange. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ah putain. Tu vas mourir le cœur. Comment il meurt? Il prend pas de dégâts. Ah d'accord. D'accord, ok, bon, faut comprendre, hein. Faut comprendre. Ah, oh, il m'a lâché un cœur, merci. Mais en fait, ces cœurs-là, je peux pas les récupérer, Brother. Ah, donc, c'est complètement débile ce que tu viens de me faire, mais c'est pas grave. On voit que tu sers à quelque chose. C'est génial. Hop, on avance. On tue ces petits mobs. Va falloir que je fasse très attention quand même. Ok, y a rien. Je sais pas du tout où je dois aller, hein. Hop, nickel. Oh là, il y a Big Mama. Big Caca. Hop, on essaie de les tuer rapidement. Je sais pas si le truc là, il est avec moi. J'ai peur de le toucher et de me prendre un dégât. Ouais, il est avec moi en fait. D'accord. Faut les comprendre. What? Il a plus de cœur qu'avant, je crois. Non, c'est bon, il a pas plus de cœur qu'avant. Hop, nickel, toi t'es mort. Bisous à ta tante. Hop, hop, hop. Bon. On récupère ça. Bien entendu, on peut descendre. Et là on est au dernier niveau. À part si après faut qu'on se rende à... Comment ça s'appelle? Dans les... Soit avec Satan, soit avec... Hop, on va vite défoncer ça. Putain, je me suis pris un dégât. Génial, non, je veux pas ça, je veux ça moi. J'ai pas ma vie à fond, ça me dégoûte ça. Petit détail là, qui me dégoûte, pas mal. Où est-ce qu'il est? Oh, quoi, j'ai pris quoi comme... Oh non, j'ai foncé dans les caca rouges, du coup j'ai pris des dégâts. Parce que les caca rouges donnent des dégâts, qui est plutôt chiant. Ah, y a toi encore à tuer petit. Y'a Pichon. Oh les yeux. What the fuck. Oh les gens, je suis en train de perdre de la vie. Incroyable. Oh, des pièces. Génial. Oh non, c'est une blague. Et je peux pas récupérer ça. Hop. Non. Putain. Bon, je crois que j'ai regagné toute ma vie en tout cas. Ce qui est plutôt pas trop mal. Mais c'est celle-là, je m'en souvenais plus. Hein. Meurs, 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 meurs. Ah, je suis encerclé. C'est bon, ils sont morts. Ok, on récupère la petite pièce ici. On va récupérer la bombe par là. On va passer par ici pour voir ce qu'il y a. Oula, toi, mon gars. Hop. Petite pièce. Non, pas de petite pièce. Hop, peut-être... Où est-ce que je suis? What? Mais non, c'est l'enfer ce truc. En même temps, on me dirait. On est déjà en enfer. Oula.
pas mal de personnes par ici. Ouais, pauvre fou. Oh, je peux le récupérer, génial. Ok, on va à gauche. Mini-boss encore. Je savais pas qu'il pouvait y avoir plusieurs mini... Ah bah si, en fait, je le savais. Je le savais, vu que j'en ai déjà eu une fois. Mais celui-là a l'air plutôt chiant, d'ailleurs. Il m'a donné de la vie, en tout cas. Enfin, il m'en a enlevé aussi, mais... le cristal. Destruction. Ah, faut pas que j'oublie que j'ai encore mon... Mon copain à utiliser. Hein, mon petit copain en haut à gauche. Hop. On récupère ça. On avance. Hop, on va aller. Oula, j'ai failli prendre des dégâts. On va aller à droite. Non. C'est une blague. Où se trouve cette putain de porte? Ah bah voilà. Allez là. Faut, suffit de demander. Hein. Oh, oula, j'ai chaud. Oula, c'est bon. Allez, c'est parti les amis. En plus, on utilise ça. Allez, meurs. Non. C'est bon. On récupère toute la vie qu'il nous faut. Hop, on récupère toute notre vie. Et on récupère la coupe, les amis. Incroyable. On va aller voir ça dans challenge. On va voir, on descend, on descend, on descend. What? Quoi? Attendez. J'ai pas compris là. Oh, il me l'a pas compté. Non mais c'est une blague. C'est une blague les amis. On est arrivé à la fin et il me l'a pas compté. Non attendez. Là il se moque de moi. En plus ça se trouve j'ai pas à avoir les mêmes trucs qu'avant. Oh non mais je suis dégoûté. Attendez, on va revenir sur le challenge. Oh non mais je suis dégoûté. Bon, bah écoutez les amis, on aura réussi quand même, hein, je l'ai en vidéo, on a réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine... Oh, c'est cool ça. When life gives you lemons. Ah d'accord, ils avaient pas assez de place, du coup ils l'ont mis sur le côté. On se retrouve du coup bah, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Je pense qu'on va se faire un challenge. Je pense qu'on va faire ça, on va faire les challenges. Du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner également et à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Et surtout ça vous permettrait de savoir un petit peu l'actualité de la chaîne YouTube sans devoir attendre une nouvelle vidéo point percy. Voilà, sur ce, portez-vous bien, à bientôt. Tchuss tout le monde.